Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, hablaré en francés, lo siento, de la Dama de Elche en el Museo del Louvre, pero empezando con palabras en español de Antonio García y Bellido. A ver. No había español que al llegar a París dejase de visitar el busto famoso, lamentando en su profundo el ver a aquella española lejos de su patria, empotrada en aquella vitrina, junto a una ventana, entre piezas enormes, abrumadoras, de una cultura totalmente ajena y sin despertar el menor aprecio por parte de la multitud heterogénea y cansina que pasaba indiferente, arrastrando los pies ante la fina cabeza de la suntuosa mujer hispana. La Dama de Elche, con su rostro severo y casi triste, parecía envejecer y mutearse en aquel ambiente. A cette description peu flatteuse de la présentation de la Dame d'Elche au Louvre, je propose aujourd'hui de répondre et de réagir du point de vue du Louvre, en soulignant les liens des conservateurs Léon Heuzet, Edmond Potier, Georges Contenot, René Dussault, André Parot ou encore Pierre Amier avec la Dame en différents moments de son histoire et en m'intéressant tout particulièrement à son exposition au Louvre entre 1897 et 1937, à partir de sources de nature diverse, presse, guides et archives. Vous le savez, le buste arrive à Paris en 1897, dans un tout jeune département officiellement créé en août 1891, le 20 août 1891, seulement 6 années avant l'acquisition du buste. Il se trouve bien, donc, au milieu de una cultura totalmente ajena, et je dirais même plus justement des culturas totalmente arenas, à savoir mésopotamienne, levantine, perse, entre piezas enormes, c'est vrai, avec entre les taureaux assyriens de Khorsabad, le vase d'Amatonte de Chypre, ou encore un chapiteau du palais de Darius à Suse, parce que nous nous trouvons dans le département des antiquités orientales du musée du Louvre. La Dame était justement présentée dans ce département, dans l'une des salles de la collection Dieu la foi, du nom de deux archéologues de Suse, enfin, qui ont beaucoup œuvré à Suse, Marcel et Jeanne Dieu la foi. Nous obtenons, en fait, à la lecture de la presse contemporaine, des informations plus ou moins précises sur l'installation du buste. La mention générale, une des salles de la collection de la foi, est la plus fréquente, comme dans la justice du 29 décembre 1897. Dans Gil Blas du 30 décembre 1897, on peut lire, depuis 2 jours, le public peut aller admirer au Louvre, dans une des salles de la foi, un nouveau spécimen d'art antique, une œuvre admirable due à un sculpteur inconnu. Dans la chronique des arts et de la curiosité, je n'ai pas tout mis à l'écran, dans le supplément à la Gazette des Beaux-Arts du 8 janvier 1898, on peut lire, on vient de placer au Louvre, dans l'une des salles affectées à la collection de la foi, donc le buste d'Elche. Et encore, dans le progrès artistique du 20 janvier 1898, il est mentionné l'une des trouvailles des plus rares, uniques, paraît-il, qui transportée au Louvre, ajoute aujourd'hui à l'attrait de l'une des salles de la foi. Et rarement, on décèle une mention plus précise d'installation, comme dans le numéro de la Liberté du 2 mars 1898, où on a la mention « dans l'embrasure d'une fenêtre de la salle qui a reçu la collection Dieu la foi ». Et cette mention résonne d'ailleurs avec la remarque de García y Bellido « empotrada en aquella vitrina junto a una ventana ». Au premier étage de la colonnade du Louvre, les salles de la collection Dieu la foi correspondent en fait, je ne sais pas si j'ai la oups, pardon, la souris, donc à cette partie-ci, mais bon, il s'agit là d'un plan du rez-de-chaussée, nous sommes au premier étage, avec la salle Sarzec qui est ici, la grande salle Dieu la foi, dit Dieu la foi, ou grande salle de Suse ici, et la petite salle de Suse qui est également nommée salle de la Padana, qui a été inaugurée en 1891, avec notamment, vous le voyez à l'écran, dans la photo juste en dessous, une maquette du palais.
Donc la Dame d'Elche se trouvait dans l'une des salles Dieu la foi, et plus précisément dans la salle de la Padana, la petite salle de Suse. Dans les années 30, les guides du musée font état d'un changement d'emplacement, notamment le guide de Marguerite Rutten en 1934, ou le guide de Georges Contenot en 1935, donnant un numéro à cette salle, la salle numéro 16, et mentionnant au milieu de la salle est placé l'original de la Dame d'Elche. Alors pour le moment, je n'ai pas retrouvé de mention précise des mouvements de la Dame dans la salle, dans cette salle de la Padana, mais nous reviendrons tout à l'heure sur une photo du buste dans cet ambiente. Alors, une vitrine pour deux. Alors, je vais répondre à Sophie Prieto, sans savoir qu'elle allait poser cette question. Et je suis heureuse donc d'apporter une petite réponse partielle malgré tout à cette question. Donc, passons de la salle à l'échelle de la vitrine. Des précisions peuvent être apportées puisque, à partir de 1906, un ex-voto en bronze de la collection Sandar, AM 1328, acquis en janvier 1906, a été associé au buste d'Elche pour offrir aux visiteurs une œuvre de comparaison. On peut lire dans la presse aussi, l'avait-on placé tout à côté du buste, sous la même vitrine, dans l'embrasure d'une des dernières fenêtres. Donc précision, on est dans l'une des dernières fenêtres, on approche. Pour citer le Parisien du 10 novembre 1906. Dans le Monde illustré du 24 novembre 1906, on peut lire « Ces deux objets se complétaient, l'un identifiait l'autre ». On a surtout connaissance de cette présentation par les retentissements du vol dont l'ex-voto ibérique, dite statuette phénicienne dans la presse, a été l'objet en novembre 1906. Ce vol a bien évidemment... alors oui, là on a un certain nombre d'articles mentionnant ce vol, mais ce vol a bien évidemment été documenté dans le livre d'entrée, vous voyez en bas du département, avec la mention « Objet volé le jeudi 8 novembre 1906 », ici donc dans le livre d'entrée. Et cette affaire connaît un certain nombre de rebondissements pendant 5 ans qui replacent ou finalement maintiennent la Dame d'Elche dans l'actualité du musée, et ce, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. 2 années plus tard, donc en 1908, dans un article paru dans le journal du 1er août de cette année, intitulé « Le vol de la princesse d'Elche », on apprend le nom des 3 voleurs, François Vavasseur, Émile Cruot et Julien Cruot. Puis dans un contexte de vol, du vol de la Joconde, du 21 août 1911, on peut lire une synthèse très intéressante sur l'ensemble des vols qui ont précédé le vol de la Joconde et évidemment cette sculpture ibérique, cette ex-voto ibérique est citée. Donc revenons à l'exposition de la Dame d'Elche dans sa vitrine. L'ex-voto, en fait, s'est vu remplacé par une copie, ce qui montre... par une copie, ce qui montre vraiment l'importance qui était accordée à cette association iconographique et stylistique par les conservateurs. Et dans les archives du département des Antiquités orientales, nous avons retrouvé, non pas l'original, mais un courrier de Théophile Homol, directeur des musées nationaux et de l'école du Louvre, membre de l'Institut. Il s'agit d'une lettre adressée le 23 janvier 1907 aux conservateurs de musées étrangers. On a la liste de 37 musées destinataires de ce courrier pour les prévenir du vol. Je cite juste un extrait. Nous en possédions heureusement, ça c'est important, un moulage et un cliché qui nous permettent de mettre sous vos yeux la reproduction ci-jointe de l'objet. Et on a ici la photo de l'original de cette ex-voto. Comme vous le voyez sur cette photo, donc la même photo que nous a montrée Sophie Prieto tout à l'heure, un peu moins flou, vous avez cette ex-voto, mais si vous lisez le cartel, il est mentionné moulage d'une statuette ibérique. Et en fait, la photo que nous avons, nous pouvons la dater finalement
après 1906 et après le vol, et non pas avant, comme je l'ai vu sur un des PowerPoint tout à l'heure. Justement, parce qu'il s'agit du moulage de l'ex-voto qui est présenté ici. On a le, enfin, le cartel est visible, bon, malgré tout, sur cette photographie. Dans les archives du département, j'ai pu retrouver l'empreinte en plâtre de cette ex-voto associée aux archives, à la lettre de Théophile Homol. Et donc, vous avez cette petite plaque qui est conservée aujourd'hui au département des Antiquités orientales et qui avait été oubliée pendant extrêmement longtemps. Je n'ai donc pas retrouvé l'original que je cherche depuis un moment, mais voilà, on avance petit à petit dans cette enquête. Nous pouvons dire que la Santuosa Mujer Ilicitala, parfois appelée, vous le savez, la Reine des Morts, en quelque sorte était détrônée par une princesse recherchée. Et je dirais à présent deux mots sur le double de la Dame d'Elche au Louvre, à savoir sa copie en plâtre. Au Louvre fut un temps, vous le savez, l'Espagne antique était visible en différents lieux, dans la salle de la Padana, pour la Dame d'Elche, l'original, dans la salle Sarzec, pour les petits objets. J'avais eu l'occasion de présenter ces petits objets en bronze au moment de l'hommage à Gérard Nicolini. Et à partir du 9 septembre 1904, dans la salle ibérique, pour le lapidaire. Un moulage a été réalisé, nous le savons bien sûr, en 1908 par Ignacio Pinasson. Et sur cette photo, très intéressante, je suis même sûre, que nous voyons la Dame d'Elche dans sa salle, dans la salle de la Padana. Et nous voyons Pinasso en train de réaliser, alors je laisse les spécialistes des copies, des moulages, des empreintes, nous dire ce qu'il est en train de réaliser, en fait. Est-ce qu'il est en train de réaliser la Terre, qui était, voilà, notre modèle à partir duquel ces copies ont été réalisées. Et on voit bien la vitrine derrière. On aimerait qu'il se pousse un petit peu pour nous laisser la dame. Et je suis sûre qu'on est dans la salle, parce qu'on a un cartel qui est exactement le cartel des salles de la Padana. Et en plus, on a le décor de la mère qui s'est inspirée des dessins de Corsabade et des dessins de Félix Thomas. Donc voilà la seule photo que je puisse, je pense, associer à la dame dans son ambiente de la salle de la Padana. Revenons à sa copie, à son double, dans le cabinet ibérique. Donc la copie réalisée par, enfin à partir voilà de ce modèle réalisé par Pinasso, la copie est présente hein, dans ce cabinet. Ibérique, vous la voyez ici sur son socle, et elle n'est pas la seule copie dans ce cabinet, et ça c'est aussi important, c'est de redonner aussi aux copies tout leur intérêt et tout leur rôle dans ces présentations du début du XXe siècle, et notamment elle se trouve associée à deux autres copies de dames du Cerro de los Santos, et celui de la dame à la tête mitrée en bas à droite, qui a d'ailleurs été à l'origine de la démonstration, entre autres, de Léon Heuzet auprès de ses collègues à l'Académie, cette tête de dame mitrée est d'ailleurs, avec la dame d'Elche, la seule qui figure dans les catalogues de moulage de la RMN en 1937. Et à ma connaissance, la dame d'Elche est un cas unique au Louvre, avec de manière concomitante, en fait, la présentation de l'original antique et de sa copie moderne. Au tournant des années 30, Henri Verne, directeur des musées de France, est à l'origine de réflexions et de travaux à l'échelle de l'ensemble du palais, plutôt, et un remaniement des salles est envisagé. Pour le département des Antiquités orientales, il s'agit notamment de libérer les salles de la colonnade, donc la salle Sarzec et puis les deux salles Dieu la foi. Et dans cette perspective, la Dame d'Elche devait descendre. Vous le voyez sur l'affiche de 1937, elle devait descendre dans la salle ibérique, très probablement. Et les œuvres du premier étage sont alors mises en caisse en 1937. Et donc la dame n'était plus présente en 1939, mais vraiment en 1937, dans le cadre d'un réaménagement de nos salles. Finalement, étant donné les circonstances, les caisses préparées en 1937 vont servir avant tout dans le plan de sauvegarde orchestré par Jacques Jaujard. Et la dame quitte le Louvre en 1939, oui, vraiment le Louvre en 1939, parmi les œuvres de
première urgence. Et là, vous avez une fiche de Marguerite Rutten mentionnant cette caisse 247 parmi les œuvres de première urgence donc, qui doivent être déplacées et qui va regagner le château de Cheverny, donc dans la salle, dans la caisse, pardon, 247. La dame d'Elche et le petit bronze qui l'accompagne, la petite copie, en fait, elle le suit, une tête élamite et une déesse en terre cuite dessus, portant un conakès. Le 1er octobre 1940, le conservateur Georges Contenot part pour Cheverny pour emballer le buste dans la caisse MNLAO 33, que nous connaissons tous. Et à partir de cette date, la dame quitte définitivement le Louvre et va quitter, bien évidemment, la France. Alors, les répercussions de l'échange conclu entre la France et l'Espagne en 1941 sont importantes au Louvre. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec Laurence Bertrand d'Orléac il y a quelques années ici même. Et des actions ont été menées par plusieurs conservateurs, avec un sentiment d'injustice qui s'est installé, perceptible à travers les archives des différents directeurs, notamment René Dussault, André Parot, Pierre Amier, et avec, pour ce dernier notamment, des échanges avec le directeur de la Casa de Velázquez, j'en avais parlé, Henri Terrasse, en 1963, et justement sur les coopérations avec l'Espagne qui sont difficiles et qui continuent d'être très difficiles en lien avec cet épisode douloureux. Ou encore des courriers de visiteurs et chercheurs qui s'interrogent sur la collection ibérique, qui ne comprennent plus pourquoi la collection n'est plus présentée. Parce qu'en fait, le plan Verne, qui a intégré cette collection dans un premier temps, eh bien, ne l'a plus intégrée, puisque 36 œuvres ibériques sont parties. Et de temps en temps, je reçois un message, par mail maintenant, me posant la même question, mais où se trouve la collection ibérique ? Et notamment grâce à Claire Parmillon, cette année, j'ai pu réintégrer le cours d'art ibérique à l'école du Louvre, ce qui n'avait pas été le cas depuis le cours de 1911 de Edmond Potier. Donc je dirais en conclusion, à défaut de pouvoir créer une salle ibérique au sein du Louvre, voilà, pour le moment, je dirais en conclusion que durant son séjour de 40 années au Louvre, la dame a été bien accompagnée dans la salle de la Panana, avec des œuvres pour certaines énormes, c'est vrai, mais non moins majeures, perses et autres, et bien loin d'être abrumadoras. La dame a été bien accompagnée dans sa vitrine aussi, pendant 30 ans, par une princesse avec laquelle elle entretenait un rapport privilégié. De plus, la dame était visible dans deux salles, et au Louvre, elle a été admirée, très admirée, par des visiteurs qui ne devaient pas tous arrastrar los pies en passant. Elle a été contemplée par de nombreux artistes, écrivains, peintres, considérés comme un des précieux trésors de notre Louvre, une œuvre admirable et sans pareil, inspirante, comme le montrent notamment les costumes du Fils de l'Étoile par Charles Bianchini en 1904, année de l'inauguration de la salle ibérique. Et je conclurai par une citation de l'article paru sous la plume du critique d'art, journaliste et écrivain Antoine Albala dans le quotidien Gil Blas du 30 décembre 1897. En tout cas, c'est une tête à aller voir et à regarder longtemps. Je vous remercie.